Bonjour. Karl Popper, la connaissance objective, une approche évolutionniste. 50 ans de discussions avec physiciens, biologistes et logiciens pour fil conducteur le progrès de la science. Popper révèle toutes les implications métaphysiques de son rationalisme critique. Thèse de Karl Popper qui porte sur la démarcation entre la science et ce qui n'est pas d'elle. Métaphysique du changement, formule de René Bouveresse. L'œuvre de Popper sous-tend une interrogation fondamentale déjà au cœur de la philosophie kantienne. Comment peut-il se faire que l'homme, sans pouvoir jamais s'appuyer sur autre chose que sur son expérience, nécessairement finie et limitée, soit capable de connaître et d'énoncer des lois naturelles, des lois universelles de la nature? Pour Kant, à quelles conditions la connaissance est-elle possible? Pour Popper, à quelles conditions le progrès scientifique est-il possible? Son paradigme de la marche du progrès scientifique repose sur Einstein, renversement de la théorie newtonienne par celle de la relativité. Ainsi, aucune théorie n'est peut-être vraie, mais les sciences néanmoins progressent dans la vérité. Popper déclare « Toutes les théories peuvent être falsifiées, autrement dit réfutées, sur la base des expériences. Toutes nos connaissances ne seront donc jamais que des hypothèses. Chaque nouvelle théorie se révèle plus proche de la vérité que les anciennes. » Un jour, la théorie de la relativité sera dépassée. Ainsi, la philosophie de la connaissance ne relève plus d'une philosophie de l'esprit ou du sujet, mais de la logique. Rien ne saurait garantir à l'avance la vérité d'aucune de nos théories. Popper construit la théorie de la société ouverte, la seule où la démarche scientifique puisse naître et se développer. Popper consomme sa rupture avec toute philosophie du sujet et donne une dimension ontologique à sa conception de la connaissance comme processus objectif. Popper forge l'examen du concept de vérisimilitude. Le but de la science est la vérité, mais puisqu'on ne peut jamais déclarer d'aucune théorie qu'elle est vraie, mieux vaut considérer que le but de la science est l'approximation de la vérité. La vérisimilitude. Avec Thomas Kuhn, dans La structure des révolutions scientifiques, à chaque époque vaut pour les scientifiques un paradigme, un modèle de ce qu'ils tiennent pour une explication scientifique valable. Les révolutions scientifiques sont des changements de paradigme. Les critères de la rationalité changent d'une époque à l'autre. Popper voit dans la démonstration d'Alfred Tarski un exemple rare de solution d'un problème philosophique par les moyens de la logique, la validation de la théorie de la vérité-correspondance. Conception logique du progrès de la connaissance dans le processus de l'évolution, célèbre formule popperienne de l'amibe à Einstein, il n'y a qu'un pas. Pensée du surgissement du nouveau à partir de l'existant, de l'engendrement de niveaux de réalité toujours plus complexes. Question sur le devenir qu'on croirait relever plutôt de traditions de pensée totalisante, hegelienne ou vitaliste, bergsonienne. Il récuse tout monisme où matière, vie et pensée viendraient se fondre dans une nature ou un grand tout. Pour Popper, le vivant émerge bien du monde physique, le psychologique, du biologique et le monde des idées, du mental. Notre principale tâche de philosophe est d'enrichir notre image du monde et en contribuant à produire des théories inventives. Le pluralisme est la thèse des trois mondes, le monde des formes ou idées de Platon, était un monde religieux, un monde de réalité supérieure.
Dans la philosophie pluraliste, le monde est constitué d'au moins trois sous-mondes ontologiquement distincts. Le premier est le monde physique, ou le monde des états physiques. Le second est le monde mental, ou le monde des états mentaux. Et le troisième est le monde des intelligibles, ou des idées. Au sens objectif, c'est le monde des objets de pensée possibles. La relation entre ces trois mondes est telle que les deux premiers peuvent interagir ainsi que les deux derniers. Ainsi, le second monde, le monde des expériences subjectives ou personnelles, interagit avec chacun des deux autres. L'hypothèse de Popper est qu'un jour nous finirons par révolutionner la psychologie en traitant l'esprit humain comme un organe fait pour interagir avec les objets du troisième monde. Le troisième monde dont fait partie le langage humain est le produit des hommes, tout comme le miel est le produit des abeilles, ou comme les toiles d'araignée sont le produit des araignées. Toute interprétation est une sorte de théorie, et comme toute théorie, elle est ancrée dans d'autres théories. Imre Lakatos appelle déplacement de problème la distinction entre les déplacements de problèmes qui constituent un progrès et ceux qui constituent une dégénérescence. La thèse de Popper est que le but principal de toute compréhension historique est la reconstruction hypothétique d'une situation de problème historique. Pour interpréter une théorie, le métathéoricien est libre de se servir de tout ce qui peut lui être utile. Par exemple, il peut opposer la théorie à certaines théories concurrentes, radicalement différentes. La thèse de Collingwood est que comprendre l'histoire consiste, pour l'historien, à réeffectuer des expériences passées. Dites-les par là de la nécessité de transcender les tendances subjectives et sceptiques. En histoire, la tâche de l'historien est de reconstruire la situation de problème telle qu'elle est apparue. Le but de la science est de découvrir des explications satisfaisantes de tout ce qui nous étonne et paraît nécessiter une explication. Popper appelle l'essentialisme la conception où la science doit chercher des explications ultimes en termes d'essence, propriété essentielle. Les idées de Platon étaient des concepts ou notions éternelles, immuables. Les concepts ou notions de Hegel s'auto-transformaient dialectiquement. Tarski a démontré qu'il ne peut exister de critères de vérité. La question de savoir si une proposition est vraie n'est pas décidable. Le concept de vérité joue le rôle d'idée régulatrice. Savoir qu'il existe quelque chose comme la vérité ou la correspondance nous aide dans notre recherche de la vérité. Il est plus facile de s'apercevoir qu'une théorie est fausse que de s'apercevoir qu'elle est vraie. Pourtant, une conjecture fausse peut s'approcher plus ou moins de la vérité. Idée de proximité, et nous arrivons à l'idée de vérisimilitude. Réhabilitation de l'idée analogue à Tarski sur l'idée de vérité comme correspondance avec les faits. Idée de conséquence logique, plus précisément d'ensemble des conséquences logiques, une conjecture. En incorporant à la logique l'idée de vérisimilitude ou d'approximation de la vérité, on rend la logique encore plus réaliste. Logique comme organon de la critique et non de la preuve dans notre recherche de théorie vraie. La théorie de Tarski suggère que la vérité consiste dans la correspondance avec les faits. Dans la science, c'est l'observation et non la perception qui joue le rôle décisif.